Que Lemon gagne un contre-la-montre, c'était pas étonnant. Je veux dire qu'il en avait gagné d'autres déjà avant. À cette époque-là, on ne peut pas penser que c'est le guidon qui fait la différence. On peut pas penser ça. On pense pas ça. Maintenant, c'est vrai qu'on regarde ce que c'est. On regarde ce que c'est. Mais c'est un peu compliqué parce que, ne connaissant pas le truc, ne l'ayant pas essayé, vous savez, il y a une chose qui est essentielle quand vous faites le Tour de France pour le gagner. Et ça, tous ceux qui l'ont gagné, qui ont gagné plusieurs fois le Tour de France, vous le diront, il faut jamais prendre de risque. Pas de risque. En tout cas, avec le matériel, zéro risque. Pas de pneus ou de boyaux trop fins qui risquent de crever. Pas de matériel nouveau, trop fragile pour pas que ça casse en cours de route au mauvais moment. Donc on ne prend pas de risque. Donc je n'allais pas prendre un risque d'essayer ce guidon en plein Tour de France sans savoir comment il fallait se poser dessus, sans l'avoir essayé auparavant. Donc on a préféré ne pas essayer. He actually, that day, he never likes to talk about it, but I told him that he better be quiet because on the first stage, on the first mountain of Tourmalet, he, you know, in that time, if you held onto a car or motorcycle, you're disqualified automatically, no question. And he was getting dropped on the Tourmalet and grabbed onto the motorcycle for about 15 seconds. So he might not even been there at the finish line of the tour. Lemon, il vient se plaindre après que je me suis accroché, soi-disant, mais si j'étais si mauvais que ça, qu'il a rien fait, pourquoi n'a-t-il rien fait dans ces conditions-là? Pourquoi n'a-t-il pas attaqué? On en revient toujours au problème que Lemon n'attaquait pas. Mais bon, bah tant pis pour lui. C'est bien gentil après, hein, de venir faire des reproches et des choses comme ça, mais il avait qu'à prendre ses responsabilités.